Alors d'abord, j'ai une description du cours assez détaillée où j'écris justement tout ce que je vous ai expliqué avec les exercices, les fiches de théorie et la mise en ligne des rapports et des questions de réaction sur le forum avec les vidéos de temps. Donc les ressources, évidemment, s'ils ont des questions, je leur donne une adresse pour qu'ils puissent me les poser. Dans la partie document ERE, je vais quand même vous remontrer en vitesse, par exemple, exercice 1. Vous voyez, exercice de 10 questions, je leur dis à quoi ça sert. Et s'ils éprouvent des difficultés, ben, je leur donne le nom de la fiche qu'ils peuvent aller chercher pour combler leur lacune. Donc ils se trouvent dans le document ERE ici. Et ils ont une fiche de synthèse, il y a 9 slides, vous voyez, avec des exemples avec assez peu de texte. Donc ça va assez vite, ils peuvent se repérer assez rapidement. Ensuite, la partie forum, évidemment, la partie où ils posteront leurs questions et leurs réponses. Donc il y a un forum par manipulation, par labo. Une petite description du travail à faire, donc si c'est déjà dans la partie description du cours, enfin, un rappel des consignes n'est pas super fou.